Dans ce nouveau tirage qui j'espère euh, va te plaire autant que, que moi parce que j'ai vraiment eu euh, super envie de te proposer ça ce matin. L'idée m'est arrivée euh, comme un boomerang dans la tête. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de te permettre de savoir quel projet a besoin d'exister et surtout comment procéder. On va vraiment se concentrer ici sur quelles sont les étapes, comment faire, comment s'organiser. Voilà, on va essayer d'être euh, pragmatique, logique, concret, efficace. Voilà. Alors, pour savoir ce qui va te concerner le plus, va tout simplement écouter ton ressenti. Donc, on a trois tarots différents. J'ai pris les trois tarots euh, à ma disposition qui ont des cartes dorées. Il n'y a que des cartes dorées. Je les aime beaucoup, ces trois tarots-là. Donc, on a le Nefertari, le Visconti et euh, le Klimt. Donc à toi de ressentir ce qui te convient le plus, choix 1, choix 2 ou choix 3. On va venir détailler donc dans un premier temps le projet dans les grandes lignes et ensuite avec beaucoup plus de détails toutes les étapes. Comme ça, normalement, dès le début, au niveau du projet, tu devrais te reconnaître dedans, ça devrait déjà te parler et après je te donnerai le maximum de pistes. Pour que euh, mais ce soit efficace tout simplement et que tu puisses appliquer ça dans ta vraie vie. Voilà, allez, c'est parti. On commence avec Nefertari. Alors, on y va avec Nefertari. Qu'est-ce qu'on a On a un 10 de bâton, d'accord. Pour définir ce projet, un roi de coupe. Ok. Ça nous parlerait plutôt d'un projet de type relationnel ici. Valet d'épée, d'accord. Et, ouais, et les amoureux. donc Pour moi, c'est effectivement en relation avec euh, le domaine sentimental. Elle brille tellement. Ouais, ça... Ouf, je vais le mettre au milieu parce que sinon avec la lumière, ça nous fait des reflets de fou malade. Alors, voilà. Pour moi, ton projet, c'est euh, d'être à l'aise ou plus à l'aise dans le domaine sentimental. Alors, ça peut passer par euh, plusieurs choses. Là, on a vraiment la notion euh, de mauvaise gestion relationnelle avec le 10 de bâton. C'est comme si c'était trop lourd. Soit pour toi, c'est trop lourd d'être en couple, soit c'est trop lourd d'être célibataire. En tout cas, il y a euh, quelque chose qui déraille ici. C'est ça. Les, là, si tu veux, c'est là où tu en es. Et ça, c'est ce que tu désires. Donc, pour l'instant, tu es dans une situation qui semble être un petit peu compliquée, euh, lourde. Euh, pas facile, pas agréable à vivre, et ce à quoi tu aspires, c'est eh bien la, la complémentarité avec l'autre, la tranquillité, ça peut aussi être avec toi-même, mais je pense que c'est quand même vraiment lié à un couple, tout ça. Enfin un couple, pas le couple que tu as avec toi, hein, un couple extérieur. Euh, ça peut aussi faire écho à une vocation, mais franchement, je veux pas partir dans des trucs trop euh, alambiqués. Pour moi, ça, ça doit te parler. Au niveau sentimental, sinon c'est que c'est pas le bon tirage pour toi. Donc tu veux euh, de la sérénité dans le couple, tu veux quelque chose qui fonctionne, tu veux une relation stable, sérieuse, où il y a de l'engagement, parce que c'est quand même le but de la carte de l'amoureux c'est l'engagement, d'être à l'aise avec ce que les cœurs disent, que les cœurs finalement communiquent, euh, soit vraiment euh, bah, sur la même longueur donc c'est ça que tu veux. Être sur la même longueur d'onde avec ta moitié. Mais il y a ça qui vient au milieu, se met un petit peu la pagaille. Donc ce roi de coupe, euh, c'est ton idéal. Il est très élevé, ton idéal. C'est peut-être déjà un problème en soi. Par contre, l'énergie que tu apportes, c'est à mon avis, c'est vraiment la blesse. On peut avoir un grand idéal ah, je ne vais pas te dire que, que c'est une mauvaise chose, euh, moi-même étant très idéaliste. Euh, je, je, voilà, on peut trouver quelqu'un qui est très proche de notre idéal, ça existe. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment, vraiment ça le problème. Je pense que c'est plutôt ici que le bas blesse. On a un valet d'épée. C'est-à-dire que le valet d'épée, tu peux être vraiment sur la défensive sans forcément t'en rendre compte par rapport à la notion de couple. C'est comme si si tu n'obtiens pas tout tout de suite, et eh ben tu ne construis pas. Là, il y a un problème euh, potentiel de dépendance affective avec du coup euh, zéro engagement parce que blessure d'abandon et tout y quanti Donc c'est euh, bon bah si l'autre euh, il me déroule pas le tapis rouge, laisse tomber, c'est pas le bon. Tu vois, comme s'il si pouvait y avoir une, une réserve très importante à propos de l'autre qui fait que tu préfères prendre la tangente avant que ça devienne trop sérieux parce que tu as peur de souffrir, mais du coup tu construis rien ou pas suffisamment. Et donc tu ne peux pas te rendre compte de la relation, si elle peut être idéale ou parfaite, en tu pars avant de savoir. Moi, c est, c est, c est... ce que j'en ressens, c'est que tu n'es pas engagé finalement pour ce projet-là. Tu crois peut-être que tu l'es. Euh, le valet d'épée nous, nous dit que tu agis avec une certaine immaturité et que tu ne mets pas ton cœur sur la table, tu ne déposes pas tes sentiments, tu ne laisses pas l'autre te voir comme tu es. Il y a beaucoup de contrôle avec cette carte-là. Je pense que ton projet, c'est de t'ouvrir à la vulnérabilité. Euh, Peut-être pour certaines personnes de faire le deuil de trucs passés, c'est possible. Mais ce que j'en ressens surtout, pour moi, le projet c'est euh, de passer à un autre niveau d'engagement envers toi-même et surtout envers l'autre. De te rendre véritablement disponible pour une relation amoureuse et pas juste un petit peu, pas juste comme ça t'arrange. De prendre le temps pour construire et de pas te barrer parce qu'au bout de 3, six mois, il ou elle ne t'a pas encore demandé en mariage, c'est bon, tranquille, on y va, tranquille. Il y a vraiment besoin... De, de construction. Je pense que c'est le problème. Il y a un, un, un défi dans la construction parce que si tu n'as pas tout de suite ton idéal, encore une fois, tu vas pas forcément avoir la patience, tu vas tirer des conclusions finalement de cette relation, tu vas penser que ce n'est pas la bonne personne alors que ça l'est peut-être. Parce qu'une relation de couple idéale, c'est une relation qui s'est construite dans le temps, pour laquelle il y a eu beaucoup de communication. On ne peut pas euh, considérer une relation de couple, ou même amicale, hein, peu importe la relation finalement. Il a, elle n'est pas euh, figée. Il euh, n'y a pas un moment où on se dit ⁇ Ah bah tiens, maintenant c'est parfait, on ne touche plus à rien, euh, c'est nickel, ça va durer pendant les 30 prochaines années comme ça. ⁇ Non, il y a beaucoup de fluctuations. Et je pense que ces fluctuations, tu, les, tu leur donnes une... Euh, une teinte négative. Tu n'acceptes pas forcément ces fluctuations. C'est comme si ça te dégoûtait euh, de la relation. D'où certainement des ruptures ou des tentatives avortées. Alors maintenant, on va regarder ce qui peut t'aider. Donc on va tout simplement positionner nos cartes en haut et puis créer les étapes intermédiaires. Voilà, un tirage assez simple mais très efficace que je fais de temps en temps. Alors moi, les, les tirages, en tête, tu te poses la question, mais euh, j'en vends tout au fur et à mesure. Hein. Je ne suis aucun modèle préétabli. Pour moi, le cadre est une contrainte. <laughs> je déteste faire comme tout le monde. Et euh, ça n'a pas vraiment d'intérêt, en fait. Le mieux, c'est de s'écouter avec le tarot, d'aller au ressenti vers ce qu'il y a de plus juste sur le moment. C'est l'instant qui compte. Ah ah, on a deux cartes qui viennent là-dessus. Ok. Alors, on va les détailler encore après une fois. Je vais d'abord parler de ça et ensuite on rajoutera une couche, on rajoutera une étape là, une étape là. Donc là, je t'invite vraiment euh, non seulement à écouter, euh, mais surtout à noter parce qu'à un moment ou à un autre, je ne sais pas exactement quand, mais dans mon analyse, là, il y aura des actions, il y aura des choses à faire. Euh, parce que c'est pas, euh, voilà, pas pour te dire ah bah tiens il euh, y a peut-être un petit problème d'engagement euh, moi ça ça me ça me satisfait pas cette histoire il faut que je te donne plus d'infos pour que tu puisses mettre en place des choses concrètement donc voilà euh, ici on a chevalier d'épée qui nous permet de faire l'intermédiaire du passé de 10 de bâton au roi de coupe la reine de bâton du roi de coupe au valet d'épée et le 3 d'épée et la reine de coupe aux amants. Et là, on voit que la plus grosse step, c'est celle-ci. Il y a deux cartes qui sont sorties déjà. Alors, on n'a pas euh, d'arcane majeur néanmoins. Donc, je pense que de toute façon, tu es euh, en route pour que ça, ça se passe. Je ne ressens pas de difficultés particulières dans le processus, sauf un tout petit peu là dans la dernière ligne droite où tu vas peut-être euh, t'agacer un petit peu. Euh, parce que ça va faire remonter des choses un peu désaccordées en surface, il faudra gérer les émotions, mais sinon c'est pas euh, pas très compliqué. Okay ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle, ça veut dire que tu vas pouvoir obtenir ce que tu veux. Alors là, le cavalier d'épée, il nous dit d'être euh, clair, net. Donc ça, c'est euh, par rapport au fardeau et par rapport au roi de coupe. Alors première chose, par rapport au fardeau que tu ressens actuellement, est-ce qu'il est -ce qu légitime ce fardeau par exemple tu peux être en couple j'ai beaucoup de clientes qui me font ce genre de réflexion c'est pour ça que j'utilise cet exemple elles vont me dire ah oh oui alors mon mec il fait jamais rien j'ai toujours l'impression que c'est tout j'ai tout à faire et alors elles partent dans l'idée que bah, elles sont pas avec la bonne personne parce que ce mec qui s'investit pas parce que il fait pas de cadeaux à l'anniversaire parce que il oublie les rendez vous importants parce que si parce que ça ok Sauf que concrètement, est-ce qu'elles ont communiqué leurs besoins Bah, en général, la réponse est plutôt mitigée. Euh, est-ce que euh, vraiment il fait rien ou est-ce qu'il fait quand même des choses Et là, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui te pèse actuellement, ce qui te semble lourd, fais-en la liste. Qu'est-ce qui te saoule actuellement dans ta vie amoureuse, sentimentale Alors, euh, te lance pas dans des grandes phrases. Hein, essaye vraiment de rester concise. C'est. Euh, voilà. Euh, j'ai la sensation de faire toutes les tâches ménagères à la maison. Ça peut être tout simplement ça. Fais la liste. Et ensuite, viens les détricoter. Regarde objectivement si oui, c'est la vérité. Ou si la vérité, tu es en train de te la créer un petit peu. Tu es en train de, de modifier la réalité pour avoir cette sensation de que ça te pèse, pour pouvoir finalement prendre la fuite. Parce que c'est ça, hein. ce qui se joue inconsciemment, c'est que tu trouves des raisons. De ne pas t'engager à 100% ou de te désengager dès que tu peux. Euh, donc voilà. Ensuite, ça va être important de regarder ton idéal. Une fois que tu as, as détricoté, que tu as mis en évidence si oui ou non c'était vrai ce que tu te racontais, parce que parfois c'est peut-être complètement vrai. Hein. Euh, est-ce que vraiment l'autre ne fait rien ou est-ce qu'il fait des choses que tu ne fais pas Enfin voilà. Essaye vraiment d'être très objective, de te raconter la vérité. C'est le moment d'être franche avec toi-même. Et ensuite, tu vas faire légèrement le même exercice avec le roi de coupe. Le roi de coupe représentant ton idéal, tu vas venir te poser la question tu vas dire en fait, qu'est-ce que j'attends euh, de mon mec ou de ma nana C'est quoi C'est quoi mon idéal amoureux Et ensuite, tu vas venir appliquer ici tu vas te dire alors, sur deux axes. Déjà, est-ce que c'est possible Parce que par exemple, euh, tu, tu as peut-être un idéal qui est impossible. Ça existe. Hein, euh, ça pourrait être je ne sais pas même ce qui pourrait être impossible parce que c'est quand même beaucoup beaucoup de choses qui sont possibles mais euh, par exemple ça pourrait être ah j'ai envie euh, que tous les week-ends il m'emmène au restaurant mais peut-être que vous êtes très très à court financièrement donc euh, c'est pas un idéal que tu peux vraiment lui demander vous n'allez pas vous mettre dans la panade financière pour ça par contre peut-être que tu peux moduler euh, euh, peut-être que dans le fond c'est pas le resto que tu veux c'est du temps passé à deux qui soit de qualité Peut-être de cuisiner à deux avec euh, euh, ce que vous avez dans la cuisine, bah, finalement, ça tirait tout aussi bien qu'un super resto. Tu vois Essaye d'être euh, objectif sur ce qui se passe, donc de vérifier si oui, c'est possible ce que tu demandes et euh, c'est envisageable dans le contexte euh, actuel. Ou, euh, et puis, hein, parallèlement à ça, regarde si c'est bêta, mais c'est quand même quelque chose de très important au niveau sentimental. Est-ce que tu t'apportes ce, ce que tu demandes à l'autre de t'apporter voilà. Si par exemple tu demandes euh, d'avoir une intimité très épanouie mais que tu sais même pas euh, par rapport à toi-même ce que ça veut dire, que tu n'es même pas en, en capacité toi d'exprimer clairement ton besoin dans ton intimité, bah tu peux pas demander ça à l'autre. Donc dans ces cas-là en fait c'est juste de, de te rendre compte ok qu'est-ce que je demande, où est-ce que j'en suis, quelle vérité je me raconte, à quel point tout ça c'est juste ou pas. Et ensuite... La dernière étape qui est proposée par le chevalier d'épée, c'est d'aller dans la communication. C'est-à-dire que que tu sois en couple ou pas, peu importe, encore une fois, mais si euh, tu veux des moments de qualité, tu veux que tous les week-ends, tous les samedis soirs par exemple, hein, tu désires avoir euh, un super dîner, eh bien, ça va être d'en parler à la prochaine personne que tu rencontres, de dire, ben bah voilà, moi j'ai besoin, une fois par semaine, qu'on se prenne un moment tous les deux, ou alors, peut-être que t'es mariée, que vous avez des enfants, et que c'est pour ça que t'as besoin de ce moment-là, parce que tu vois plus euh, ton mec ou ta nana, et que ça te pèse, euh, tu vas lui dire, bon, on met les choses au clair, moi j'ai besoin de ça, et, et tu prends le temps de l'exprimer, euh, voilà, vraiment la communication, avec le chevalier d'épée, c'est ultra important. Donc tu vois le process, tu fais la liste, sur ce qui te pèse, tu fais la sur ton idéal et ensuite tu le confrontes à la réalité euh, et tu vérifies aussi que tu t'apportes ce que tu demandes à ton idéal de t'apporter. Et déjà là, ça va bien épurer le truc et tu vas redescendre. Tu vas redescendre de ton envie peut-être parfois de fuir ou de, de désengager. Tu vas euh, peut-être mieux comprendre ton fonctionnement, mieux pouvoir t'observer. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on a Alors là, on a un travail qui est peut-être un peu plus profond. Euh, on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle nous parle de, de séduction. En plus, on a deux reines là. Donc il y a quand même... Un... Je pense que ce tirage peut majoritairement euh, parler aux femmes. Aux personnes qui se sentent un féminin très développé. Parce qu'on est vraiment sur l'aspect séduction. Et aussi euh, attirance. C'est-à-dire magnétisme un petit peu. Comme si euh, tu devais... Travailler sur ton image, ton aura, ton magnétisme, euh, l'image que tu véhicules, pour comprendre peut-être pourquoi tu attires certaines personnes ou certaines situations à toi. Donc là, c'est vraiment euh, la femme séductrice. On est là-dessus. Donc, euh, par exemple, euh, ok, tu demandes à euh, ton idéal. Euh, de. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais demander euh, De t'offrir un joli vêtement de temps en temps, euh, par exemple pour ton anniversaire ou à l'occasion, euh, même sans occasion particulière, mais par exemple c'est les soldes, tu te dis, ah bah il va bien penser à m'offrir un petit truc mignon, un petit accessoire, un petit sac, quelque chose. Peut-être que tu pourrais demander ça. Sauf que si, toi en fait, tu n'affiches pas euh, ton style. Ou que t'es pas bien à l'aise avec ton style, qu'il n'est pas défini. Ben, l'autre, il y va au petit bonheur la chance pour te faire plaisir. Donc c'est pas évident pour l'autre de s'investir dans la relation si toi-même tu sais pas ce que tu veux ou que ton style est instable. Donc là, ça va vraiment euh, être un travail très personnel, très auto-centré, sur ok, quel est mon style Comment j'ai envie de me comporter Quelle image j'ai envie de donner de moi Comment je séduis Est-ce que je suis à l'aise avec la séduction Est-ce que je suis à l'aise avec ce qui est un petit peu sexy Comment est-ce que moi je me perçois là-dedans Comment est-ce que j'ai envie de, la, de mettre cet aspect-là de ma vie en, en, en éveil Comment est-ce que j'ai envie de le montrer euh, Est-ce que j'ai envie d'avoir une image de femme enfant tout le temps Est-ce que j'ai envie d'avoir l'image d'une femme plutôt très sûre d'elle Qu'est-ce qui me correspond Le but, c'est clairement pas de te créer un rôle. Clairement pas de te créer un personnage, mais vraiment de te regarder encore une fois tel que tu es. Euh, si tu prends jamais soin de toi, ou au contraire que tu prends toujours soin de toi, euh, voilà. Il y a encore une fois une très grande compréhension de toi et peut-être un style, moi je ressens ça, hein, un style. Au-delà du vestimentaire, c'est C'est... De, de montrer qui tu es, de montrer quel est ton féminin. Comment il s'exprime ton féminin, comment il s'affirme ton féminin, et, euh, et d'oser. Parce que peut-être que t'aimerais, euh, je sais pas, moi, euh, être euh, un petit peu punk sur les bords. Peut-être que ça, tu l'assumes pas du tout parce que t'as eu un conditionnement familial qui t'a fait dire que c'était euh, nul et qu'il fallait surtout pas aller là-dedans. Bon. Peut-être que toi ton rêve, c'est d'avoir les cheveux euh, de toutes les couleurs euh, en mode punk. Bon, et eh ben très bien. Affirme-le. Ça, tu vas rencontrer euh, l'idéal qui correspond. Tu vois Donc là, c'est vraiment le travail sur ton image. Ça, c'est un travail que tu peux réaliser euh, seul. Il y a aussi des bouquins qui existent. Moi, je conseille euh, souvent le livre de Flora Douville qui s'appelle Révélez-vous, que je trouve très très chouette parce qu'il euh, est psychologique, en fait. On va vraiment explorer euh, euh, le fonctionnement de l'individu. on va observer quelle est euh, sa mission de vie et sa mission de vie rattrape finalement euh, son fonctionnement émotionnel, intuitif et les couleurs de vêtements qu'il doit porter et la forme etc. C'est hyper complet, moi j'adore et ce petit bouquin, moi j'ai fait la formation hein, qui est liée à ça, qui est une très très grosse formation, mais déjà le livre donne euh, beaucoup d'indications, il est très chouette, voilà, il est aux éditions Marie-Claire si je ne me trompe pas. Donc on a euh, ici gros travail sur l'image, gros travail sur l'affirmation de son pouvoir de séduction et de magnétisme. Qui du coup fait sortir de l'immaturité. Parce que là, il euh, y a un petit truc un peu rigolo. Je ne sais pas si ça va te parler. Je ne sais pas si ça, si ça va parler en fait à tout le monde. Mais le message s'adresse quand même à certaines personnes ici. Il euh, y a quelque chose en toi euh, qui fait genre qu'elle ne sait pas. C'est comme si tu savais pas que tu pouvais plaire à, une cer à un certain type de, de mec ou de nana. Euh, comme si ça t'arrangeait de pas être au courant de ton pouvoir de séduction. Parce que comme ça, c'est mine de rien. C'est ouais, bon, bah, ok, je lui plais, mais. Pff. Il y a un, un petit côté désinvolte avec ce valet d'épée. Euh, ça me fait penser à des nanas qui vont, euh, par exemple, s'afficher très largement sur les réseaux sociaux dans des postures. Euh, très très euh, limite au niveau de la vulgarité et qui après vont se demander pourquoi il y a des mecs qui leur envoient des messages un petit peu échaudés bah et voilà quoi c'est un peu la conséquence logique hein, malheureusement mais c'est comme ça et là c'est comme s'il y avait un petit peu de ça chez toi c'est comme si bah tu te balades je sais pas avec une robe ultra moulante et euh, que t'es étonné qu'il y ait des mecs qui te regardent plus que d'habitude, bah oui, mais il y a une forme de séduction, tu vois, et c'est comme si tu n'avais du coup pas conscience de la manière dont tu séduisais, de tes atouts, physiques ou pas d'ailleurs, hein c'est une manière assez globale tout ça. C'est comme si, par exemple, tu te rendais pas compte qu'il y avait un sujet en particulier qui pouvait vachement attirer certains mecs. Peut-être que tu es hyper calé. Alors, c'est très, euh, très mec-nana, hein, ce que je dis. C'est très cliché, mais voilà, je pars dans les clichés et après, tu l'adaptes à ta vie. Euh, imaginons que tu es fasciné par euh, les voitures et la mécanique. Bon, c'est quand même un sujet qui est plus masculin que féminin, on va pas se mentir. Et peut-être que, du coup. Euh, il y a des mecs qui font des, des rallyes ou autres qui vont se dire ouais, punaise, on peut parler de ça avec elle, elle est ultra passionnée. Ben, ça peut être, tu vois, quelque chose de très séduisant dans ta personnalité. C'est comme si tu n'en avais pas conscience. Donc il y a des choses comme ça dont tu ne sembles pas avoir conscience ou dont tu ne veux pas prendre conscience parce que tu veux peut-être pas être réduite à ça. Mais néanmoins, euh, si tu es au courant, ben, tu pourras vraiment l'utiliser, tu pourras vraiment en jouer. Ça ne sera pas comme ça, un peu au hasard d'une discussion. Vois-tu voilà. Parce que peut-être que si tu es passionné de bagnole, eh ben, euh, la personne qui te correspond l'est aussi. Donc autant assumer ce trait de ta personnalité pour attirer directement quelqu'un qui te correspond. Voilà où je veux en venir. Et alors là, alors là, là c'est le, 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 le nerf de la guerre. On est vraiment dans de plus en plus profond. Donc là c'est la profondeur absolue parce qu'on a le 3 d'épée et la reine de coupe qui nous permettent de passer donc de cette forme d'immaturité dans la manière de séduire à euh, ce que tu désires, c'est-à-dire un couple heureux euh, et concret. Surtout un couple bien réel qui fonctionne. Donc là, on a euh, un énorme travail à faire. Par contre là, ça ne va pas te prendre deux de jours. Hein. Autant ça, je pense qu'en une après-midi maximum, et encore peut-être une heure ou deux si t'es organisé, t'arrives à, à, à bien nettoyer ce truc-là. Là, là peut-être, allez, tu lis le bouquin, peut-être que je t'ai conseillé, ou juste tu, 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 tu te poses certaines questions sur toi. Peut-être en, en, en une semaine, tu peux déjà bien faire ressurgir certains traits de ta personnalité et les assumer. Bon, là, c'est plus lourd. Mais dans le bon sens, encore une fois, moi quand je dis que c'est lourd, je fais partie des personnes qui adorent quand ça se transforme, qui adorent quand ça va dans le deep, quand ça va en, en profondeur dans l'être, dans l'individu qu'on vient chercher euh, euh, bah, l'authenticité de l'être. Donc euh, moi quand je vois ça, je kiffe. Peut-être que toi, tu vas moins aimer. Mais voilà, moi j'aime bien quand on va dans les choses euh, véridiques. Donc ici, il s'agit de... <laughs> D'accepter de souffrir. Voilà, je peux pas le dire autrement, c'est que ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu dois réussir à comprendre et à ressentir surtout, parce que si tu dépasses pas le processus mental, ça sert à que dalle. Tu dois comme réussir à comprendre que euh, en ouvrant ton cœur, c'est ce qui peut t'arriver de mieux d'ouvrir ton cœur, parce que c'est comme ça que tu attires et que tu construis une relation qui te correspond. Sauf qu'ouvrir son cœur, ça veut dire oui à une souffrance potentielle. Je n'ai pas dit que tu allais souffrir, c'est potentiel. Parce que oui, qu'est ce qui se passe quand on aime sincèrement quelqu'un et que cette personne nous quitte, ou qu'on n'a pas d'autre choix de la quitter à un moment donné parce qu'il s'est passé un truc vraiment terrible, ou que cette personne décède, ou qu'elle tombe malade, ou je sais pas quoi d'autre. La vie, elle est complètement incertaine, c'est ce qui en fait sa beauté, c'est ce qui en fait aussi euh, c'est pire atrocité, parce qu'en fait, on n'est jamais sûr de demain. Sauf que là, ce que tu es censé comprendre et ressentir au plus profond de tes tripes, c'est que c'est l'ouverture du cœur, c'est pour ça que je te dis, c'est un travail en profondeur, qui va te permettre de créer ce que tu veux au niveau du couple. Et ça veut dire d'ouvrir aussi la porte à la souffrance. Il y a quelque chose d'assez euh, fabuleux qui m'avait beaucoup, beaucoup aidé il y a, je sais plus, un an ou un truc comme ça. C'était euh, une conférence sur euh, le thème des émotions où euh, la nana qui faisait la conférence elle expliquait que voilà si on a vécu le très bas donc la très grande souffrance le côté euh, pff, je sais plus ce que je vais faire de ma vie il y a un moment il y a un point là où ça devient comme une forme d'extase il y a un moment où tu souffres tellement que ton cerveau il déconnecte Et alors ça bah, si tu l'as pas encore vécu je te, je te souhaite pas de le vivre mais c'est vrai que quand on vit cet épisode-là, on, on se dit punaise, ça fait tellement mal que en fait ça devient presque délicieux. Parce qu'à ce moment-là, en fait ce qui se passe, c'est un mécanisme que je trouve assez fascinant, que j'ai pu expérimenter, c'est qu'on n'a plus d'autre choix que de s'en remettre à Dieu, au divin, à l'univers, à la vie, appelle ça comme tu veux. Et donc au moment où on, où on est dans le très bas, on peut aussi être dans le très haut. Tu vois, on a comme une amplitude émotionnelle. Donc, quand on ouvre son cœur à ce qu'il y a de plus beau, on est aussi capable de gérer ce qu'il y a de plus sombre dans notre personnalité, dans notre individualité. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tu es en cours d'acquisition, que tu cherches à obtenir. Euh, d'avoir, parce que finalement, c'est ça, c'est d'avoir confiance, c'est ok, j'ouvre mon cœur. Parce qu'il y a plein de personnes, hein, alors dans mes clientes ou même dans mes amis ou autres, qui ont eu des discours, il y a voilà il y a quelques quelques mois ou quelques années de ça euh, je me souviens d'une certaine discussion où c'était euh, oui bon bah moi euh, je veux bien euh, me mettre en couple mais alors si c'est pour souffrir c'est laisse tomber hein. ouais, mais du coup euh, ça marche pas parce qu'il y a de la beauté dans la douleur peut-être pas dans la souffrance en tant que telle parce que c'est un mot quand même qui est très très fort mais euh, j'espère que tu vois ce que je veux dire que la peur de souffrir ferme le cœur et du coup laisse ce couple idéal à la en retrait à la marge de ta vie ok donc là c'est un travail alors euh, sur tes deuils sur tes désillusions sur ce qui t'a fait souffrir sur aussi la capacité à prendre soin de toi parce qu'en fait c'est ça la reine de coupe c'est celle qui se qui sait se materner qui sait materner l'autre bien sûr mais là il s'agit absolument pas de materner l'autre il s'agit de d'apprendre à construire une confiance émotionnelle, une sécurité émotionnelle avec toi-même. C'est-à-dire que tu te dis, bah, même si l'autre, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, alors que tout va bien pour moi, alors que tout est beau au paradis des amoureux, euh, il ou elle me trompe, et qu'en et qu en fait, ça signe la fin de notre couple, parce que peut-être ça sera trop tordu pour que je puisse pardonner, euh, eh bien, j'accepte. J'accepte que ça puisse arriver parce que je sais que j'ai la force d'encaisser. Je sais que je. Voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être que ça me laissera toujours comme une blessure un peu apparente, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de me fermer à l'amour. Ok Et euh, j'ai écouté une. Euh, oh, je sais plus, une interview d'un. Je sais pas si c'est pas un acteur ou un écrivain ces derniers temps. Je, je saurais plus dire de qui c'était, mais c'est quelqu'un d'assez philosophe qui disait que ce serait une, une bêtise absolue de parce qu'on a souffert dans le passé de ne plus réouvrir son cœur. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous aimer, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour notre plus grand bien. Et que le problème ici, c'est de passer à côté de cette personnalité-là parce qu'on a peur. Okay. Bon c'est très humain hein, ce truc là, je pense que dans le passé t'as souffert, donc là c'est un travail sur les mémoires, euh, c'est un travail qui peut se faire euh, en hypnose, en coaching, euh, avec des sessions euh, où tu vas venir euh, créer non seulement de l'apaisement mais... Euh, une maîtrise émotionnelle, donc ça c'est quelque chose qui s'acquiert progressivement, qui peut faire l'objet de, de soins, euh, de soins énergétiques ou autres, et de mise en action aussi. Parce que là-dedans il y a une prise de risque, hein. c'est pas juste allez, je vais faire un travail sur mes mémoires, je vais faire de l'hypnose. Ça c'est bien mignon de minute, hein. mais il y a un moment où il y a la vraie vie derrière, il y a une porte qui t'attend et il y a ton mec ou ta nana idéale qui est là et qui, qui te fait coucou, mais euh, faut y aller. Donc là on est sur des actions. À poser, euh, ça sera peut-être d'accepter une invitation, ça sera peut-être d'en provoquer une, euh, ça sera d'oser affirmer quelque chose que peut-être tu laissais en suspens jusqu'à présent. Euh, voilà, il est question de ça. C'est bon, maintenant, quand, quand tu auras bossé sur toi, tu te sentiras beaucoup plus capable d'aller au bout de ce que tu souhaites, et à ce moment-là, eh ben écoute, tu sentiras. Euh, que tu peux euh, mener de front, euh, enfin mener de front, c'est peut-être un peu exagéré comme expression, mais que tu peux mener ce projet à bien parce que tu es en sécurité avec toi-même et que ta sécurité ne dépend plus de l'autre. Je pense que c'est ça, dans le fond, ton projet, en plus de trouver quelqu'un, c'est de te permettre d'être ta propre sécurité euh, émotionnelle, pas affective, émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici je rajoute, comme j'avais dit, deux dernières cartes. Magnifique, on a la papesse. Bon, c'est très beau parce que là, c'est un petit peu comme une conclusion. On a l'as de bâton. Hein. On a la passion, on a l'intensité qui débarque. Hein. Avec. Euh, je... Alors, c'est à tort ou à pisse Je ne sais jamais trop parce que ça a été des, des reproductions là, qui ont été un petit peu euh, remixées. Euh, en tout cas, c'est que ce soit à ou à tort, peu importe, on est sur euh, euh, la déesse de la fertilité et euh, du, du couple, euh, voilà, hein, c'est euh, de la reproduction, etc. Donc ça va vraiment bien avec un as de bâton. Ici on a 4 de bâton et la papesse. Donc là, c'est ce qui va t'aider encore de manière plus détaillée hein, à passer de, du besoin de clarté à la séduction ça va être de reposer tes bases. Parce qu'en fait, quand tu sais ce que tu attends vraiment de l'autre, et quand tu sais ce que tu es en capacité de te donner, au-delà de la clarté, tu te sens apaisé. Tu sais de quoi tu as besoin. Donc ça va t'éviter beaucoup de désagréments. Ça va t'éviter de te retrouver à faire des rencontres, à aller vers quelqu'un qui en fait n'est pas du tout capable de t'apporter ce dont tu as besoin. Ça va te permettre de faire du tri et de rester droite dans tes bottes. De ne pas te laisser manipuler, influencer par un pseudo-sentiment d'affection, d'amour, blablabla. Bla. Tu vas euh, rester euh, exigeante, mais sans être dans une, une ultra-exigence. Hein, juste de, de, de ce qu'il faut. Alors, ça va t'éviter de t'éparpiller. Normalement, quand tu te sens beaucoup plus posée, Beaucoup moins éparpillé, que c'est clair, que tu sens que tu t'affirmes, qu'il y a une solidité qui arrive par rapport à ce que tu attends euh, d'une relation de couple, c'est là où tu peux reprendre en main ton pouvoir de séduction. Et évidemment, ce qui permet de passer de la séduction, du pouvoir de séduction, de l'affirmation même de tout ça, à euh, la capacité à gérer tes insécurités émotionnelles, bah c'est la papesse, c'est quoi C'est ton pouvoir d'intuition. C'est juste ça, j'ai envie de dire. Ton pouvoir d'intuition. Qui est là, qui réplique, parce que oui, euh, c'est parce que tu as foi dans ton intuition, dans ton ressenti que tu vas avoir ça. Parce que ça, c'est quelque chose d'hyper important quand on rencontre quelqu'un. Euh, oh là là, on, on peut s'en raconter hein, des choses, on peut se faire beaucoup de plaintes sur la comète, ça c'est pas trop le problème. Mais dans le fond, on sait, on sait. Toujours, à chaque fois que je discute avec mes clientes et il y a beaucoup, beaucoup de, de mes clientes qui ont connu euh, des relations hyper abusives, très toxiques, euh, souvent violentes, physiquement, hein, euh, au-delà du psychologique. Et je leur pose souvent cette question. Je leur dis, mais au début, au tout début, quand tu as rencontré cette personne, tu as pensé quoi Tu as ressenti quoi Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi 99,9% du temps, c'est... Ah bah j'avais pas du tout envie d'être avec cette personne, je le sentais pas, j'avais envie de me barrer, j'avais envie de sortir de la voiture, j'avais envie de, de, de le laisser en plan. Et oui, mais non, ça s'est pas fait parce qu'il y avait une insécurité émotionnelle, parce que du coup il y a eu un transfert et euh, que dans ces cas-là, à certains moments de, de nos vies, on est trop euh, vulnérable, on est trop fragile. Donc euh, on, on donne ce pouvoir-là à l'autre. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas le retrouver. Ce pouvoir, donc, tu l'as toujours eu. Tu t as toujours su si oui ou non cette personne était faite pour toi. Si oui ou non, ça allait se faire, ça allait pouvoir marcher. Par contre, là, tu vas l'écouter. Et donc, si tu acceptes, c'est là où ça fait toute la différence. C'est là où en fait, on peut vraiment ouvrir son cœur. Ça, c'est un truc, un élément ultra-clé, parce que euh, si tu sais que c'est la bonne personne, acceptes toutes les conséquences. Comme encore une fois, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, donc ça ne sert à rien de, voilà, de s'inquiéter. Même si je suis la première à m'inquiéter de, de -ce qui, comment ça va se passer demain. Moi, je suis une, une angoissée du, de, de l'avenir, bien souvent. Mais là, on a ce truc hyper intéressant où on voit que, bah oui, je sais que c'est la bonne personne, je sais que c'est comme ça que ça doit être, je le sens dans mes tripes. Donc, j'y vais. Et là, bah si dans deux ans, dans vingt ans, il euh, y a un gros problème, il y a un gros pépin, et ben bah, c'est pas grave parce que tout tout le temps qui a précédé le gros pépin, j'ai suivi mon intuition, j'étais dans ma vie, j'étais alignée avec moi. Donc bon, ok, là euh, je passe par un mauvais moment, il y a un peu de souffrance, un peu compliqué, mais je regrette rien parce que ça aurait pas pu être mieux. Okay Et c'est ça qui permet d'ouvrir le cœur, c'est de savoir qu'il n'y avait rien de mieux, que c'était ça ton chemin. Ok Voilà, bon, euh, c'était quand même assez corsé pour un premier tirage. Je ne sais pas si les autres choix vont être euh, pareils. En tout cas, j'espère vraiment que ça t'aura parlé. N'hésite pas à laisser un commentaire là-dessus. Euh, si tu veux euh, que je t'accompagne dans ce process, bah, écoute, fais-moi signe tu peux réserver un appel découverte coaching euh, une guidance ce sera pas nécessaire hein. guidance sentimentale là je t'ai vraiment dit euh, tout ce que t'avais à savoir donc euh, je vais pas en rajouter dans une guidance sentimentale ce serait, euh, ce serait dépenser ton argent pour rien sincèrement donc là on serait plutôt sur un coaching euh, voilà ou sur euh, ma formation tarot niveau 1 soit ça soit voilà il n'y a que deux options euh, en ce qui te concerne pour que ce soit efficace et utile. Voilà, je te laisse là-dessus. Et je te dis bah très bientôt. Hein. Voilà, ciao, ciao. Alors, c'est parti pour le Visconti. Donc, qu'est-ce qui se passe Quel est ce projet On va voir si c'est euh, du même style que le 1 ou pas. Toujours pas de carte qui veut sortir. Allez, allez, allez. Alors, on en a une là. 6 de coup. Ok. faut que là il les cherché. Les cartes, elles ne tombent pas toutes seules. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu enfoui. C'est un projet que tu as enfoui. Euh, alors je pense que tu en as conscience néanmoins, mais c'est comme si c'était pas euh, ta priorité. Euh, et du coup, il était un petit peu euh, en retrait dans la liste de ce que tu penses avoir à faire. Alors qu'en fait, euh, bah, il a envie d'être sur le devant de la scène, ce projet, figure-toi. Donc, on a l'impératrice, encore un 6 d'épée cette fois. Et la force, et il y a une autre carte qui veut sortir, qui me chatouille. Elle est où Elle est là. Ah, ça me fait presque mal dans la main. Pourquoi ça me fait mal dans la main comme ça La reine de coupe. Alors, c'est très particulier comme tirage. On a le 7 de bâtons en dessous. Dac alors, quel est ce projet On a euh, de, du féminin, du 6. Moi, c'est le 6 qui me... Ouais. Il y, a, il y a quelque chose de très euh, torturé là-dedans, euh, mais qui n'en a pas l'air. C'est pour ça, je pense que, que tu n'en fais pas une priorité parce que tu dis, bon, bah, je verrai bien, je verrai un peu plus tard. Euh, c'est pas... Euh... C'est pas mon objectif number one pour cette année. Il y a quelque chose chez toi qui qui repousse cette échéance, qui repousse ce projet, alors qu'il a tellement envie d'être visible. Alors le sentiment qui est à l'intérieur de moi, c'est que j'ai pas le droit de briller. Voilà, c'est ça que j'entends. J'ai pas le droit de briller, donc ça sera un autre moment, ce sera plus tard, on verra pour ce projet plus tard. Je pense qu'il est lié à une forme de réussite. En fait, celui que j'attendais, c'était le, le 6 de bâton, et on a le 7 de bâton ici. Alors, 7 de bâton ici, le chariot, le roi de bâton. Ouais. Il y a une. Euh... Pour moi, le projet, c'est de réussir ta vie, et de t'asseoir dans ta vie, et de te rabibocher avec le concept, parce que c'est un concept, hein, c'est pas forcément. Euh au pied de la lettre euh, le concept de l'enfant intérieur voilà 6 de coupe nous rappelle euh, ton enfance mais c'est quand même l'éloge de l'enfance même si ton enfance a peut-être pas été belle du tout on s'en fiche c'est pas ça c'est pour ça que je te dis c'est pas ton enfant intérieur au sens où c'est pas l'enfant que t'étais euh, quand t'étais gamine non c'est pas ça c'est euh, la vie que t'aurais aimé avoir euh, la vie à laquelle tu aspires à l'intérieur de toi, la vie que l'être, euh, enfin l'enfant dans le sens l'innocence qui est à l'intérieur de toi souhaite encore vivre. Comme s'il y avait une partie de toi qui qui était restée très protégée euh, à l'intérieur, euh, comme euh, enfouie dans ta psyché, qui n'avait pas trop le droit de parler, n'a pas trop le droit d'exprimer de cette partie-là. Elle est là depuis très 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 longtemps. Et euh, elle n'est pas forcément idéaliste, elle a juste une volonté de quelque chose, que, que de réussir, de sentir qu'elle réussit. Tu vois, ce pas vraiment une réussite euh, euh, financière ou professionnelle exclusivement, c'est le sentiment de réussite, le sentiment d'être à sa place. Il y a quelque chose qui fait que tu repousses ça. Euh, que tu as l'impression que tu te bats contre des dragons et que ça va être compliqué. C'est comme s'il y avait une part de toi qui était très, très, très créative et que cette part-là, elle est enfouie dans le fin fond de, 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 de tes méandres personnels. Et, euh, et pourtant, et pourtant c'est ça qui demande à ressortir. C'est ça qui demande à s'affirmer. Euh, cette partie de toi a envie de quitter. Le navire de l'immatériel. Dit autrement, cette partie de toi a envie d'être visible, ne veut plus être uniquement là comme ça, euh, euh, une, une vague idée. Tu vois, elle veut exister. Ce projet veut exister. Cette réussite veut exister. C'est quelque chose de tellement subtil et tellement intérieur, je ne sais même pas si tu t'en rends compte. Je ne sais même pas si tu lui accordes encore du crédit. Je ne sais même pas si tu crois dans cette partie de toi. Si de coupe, comme je te disais, fait référence à une forme d'enfance et d'innocence. Quelque chose que tu as en tête depuis longtemps, que tu ressens depuis longtemps, mais que tu n'assumes pas. L'impératrice fait écho ici, euh, particulièrement à ta créativité, ta capacité à engager des projets par toi-même. Il y a vraiment cette recherche-là. D'autonomie, de, de te satisfaire toi-même, euh, de ne pas euh, attendre que les autres vivent leur vie pour que toi tu puisses vivre la tienne. Ça, c'est. Waouh wow. wow. Quand je parle de ça, là, ouh, ça me donne envie de vomir. Euh, je ne sais pas qui je traite en même temps parce que quand je fais une vidéo, c'est toujours pour répondre à un besoin que j'ai ressenti. Euh, de personnes de, de, qui sont abonnées ou pas d'ailleurs, peu importe, mais c'est toujours pour répondre à un besoin. Et là, euh, je, je traite en... Même si je, je tourne, je suis pas en live, hein, mais quand je tourne cette vidéo, il y a déjà des âmes qui se connectent à ce tirage inconsciemment, et je commence à traiter des choses. Bon, j'aime pas trop quand ça fait ça, parce que mon âme, elle veut toujours euh, tout aider, tout soigner, mais bon, euh, moi, il faut aussi que je reste dans mes baskets. Euh, donc là, ouais, on, on est sur euh, la restriction à être créative. Comme si t'étais euh, en apnée, c'est bon, je fais ce que j'ai à faire, il y en a qui comptent sur moi, c'est pas le temps euh, de, de, de prendre du temps parce que je, je peux pas, voilà, je peux pas prendre du temps pour moi maintenant, c'est pas le moment. Plus tard, ce sera peut-être le moment, mais c'est pas sûr. Et puis de toute façon, j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai déjà une vie qui est pas si mal que ça, donc je vais pas. Euh, euh, voilà, finalement, l'un dans l'autre, c'est pas si pire. Ah. C'est ça qui donne envie de vomir, c'est pas si pire. Mon Dieu, quelle expression terrible. Euh, là, avec le 6 d'épée, c'est euh, 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 la partie de toi qui a envie de se montrer, qui a envie de prendre le large, qui a envie d'être public, qui qui peut plus en fait, qui peut plus trop rester à l'intérieur. Je pense que ça ça commence à pousser, ça commence à. Le problème, c'est que là, si 6 d'épée, quand il est pas bien géré, ça peut donner une sensation interne justement de, peut-être de, peut-être pas de dégoût de soi, mais d'une énorme amertume, d'une frustration, ce genre de choses là, euh, avec la sensation que de toute façon, il va toujours falloir privilégier les autres, au dépend de toi, ce qui n'est pas vrai, hein, bien sûr, bien sûr, c'est pas vrai, mais euh, Apparemment, c'est ton fonctionnement pour l'instant. On a la force qui nous dit que ce projet, euh, c'est justement ce qui va permettre ton alignement et de te sentir en vie. Parce que pour l'instant, tu vis pour les autres, à travers les autres. Euh, pff, mais alors, toi, euh, dans l'équation, tu... c'est pas que t'existes pas, faut pas déconner non plus. Mais euh, c'est minime. En fait, la satisfaction de ta propre vie est minime par rapport à ce qu'elle pourrait être. Sauf que tant que tu vis par rapport aux autres en, en te disant ça arrivera bien un jour, bah... Caca. Et la reine de coupe. Bah oui. L'impératrice et la reine de coupe sont très proches hein, vibratoirement. Et euh, la reine de coupe, c'est... Euh, Je prends soin de moi. Voilà. En fait, c'est ça le projet. Hein. C'est prendre soin de toi mettre en place ce qui est à l'intérieur de toi ce qui a envie de mûrir à l'intérieur de toi le rendre public. Et ça te demande je pense un effort assez considérable parce que tu n'es pas du tout habitué et je pense que tu n'y crois pas en fait. Franchement hein, parce que comme je le disais au début pour moi c'est pas une priorité ce truc là. J'ai pas l'impression que tu en fasses une priorité, tu te dis bon bah un jour oui euh, ce sera le moment. Un jour j'aurai le temps. Euh, quand j'aurai passé 40 ans, quand j'aurai passé 60 ans, quand euh, les enfants seront grands, quand. Euh, euh, quand je sais pas quoi, hein, je sais pas quel, euh, si tu raisonnes en termes de temps ou si tu, tu te dis juste bah, quand je supporterai plus cette situation, je ferai autrement. Je sais pas ce que tu te dis, mais tu repousses. Donc, voilà. Ah, C'est plus possible. Ah oh là là, ça me donne envie de vomir. Je pense que ça fait résonance avec moi parce que euh, moi, ma valeur la plus importante, c'est la liberté. D'où le fait que je sois à mon compte et que je mène ma vie un petit peu comme je l'entends, quitte à en faire complètement qu'à ma tête. Hein. Mais ça fonctionne très bien pour moi parce que c'est comme ça que je suis. Et, et toi, je pense que on se ressemble. On se ressemble là-dessus, euh, mais que tu as plus d'interdits. Regarde ce qui sort. On a la maison Dieu. Donc là, on va rentrer dans la concrétisation de. Comment en diable mettre en place ce projet Parce que Dieu sait que euh, là il y a des étapes, hein, les amis. Euh, on n'est pas euh, sorti de l'auberge. Donc à ce stade, peut-être serait-il euh, bon de noter quelques trucs que je vais te raconter parce que je vais te donner euh, des pistes en coaching intuitif, ok Enfin en coaching intuitif ou pas. Euh, on s'en fout. Là, faut être efficace et faut mener les choses correctement. Hein. La tour. C'est ce qui va te permettre de passer du 6 de coupe à l'impératrice. Alors déjà là, ça va castagner. Je vais te montrer à chaque fois, en fait, je vais te donner l'étape intermédiaire qui te permet d'aller de l'un à l'autre, ok La tempérance, eh ben mon Dieu, mon ami. Oh putain, pardon, je suis vulgaire. Moi je dis beaucoup de gros mots, hein. c'est... Voilà, je suis comme ça. Mon Dieu Voilà, ouais, ça passe mieux. <laughs> je peux pas non plus me faire virer d'algorithme YouTube. <laughs> Alors, trois arcanes majeurs qui nous disent quand même bien que euh, ça va pas se faire euh, en y allant à reculons. Là c'est vraiment je prends ma vie en main et j'y vais mais carrément. Moi je te vois. Euh, euh, Imagine, tu es dans une salle comme un peu une salle des fêtes, tu sais, dans laquelle il y a une scène. Euh, et puis il y, y a un gros sac qui est en bas de la scène. Un sac avec plein de trucs dedans, plein d'objets, des trucs super sympas. Tu sais, un petit peu comme si tu avais une boutique en ligne avec, euh, je sais pas moi, euh, euh, je vais te dire des trucs que j'adore, par exemple des, des, des jolis cailloux, euh, des pierres. Euh, euh, du quartz rose, des blazers comme ça, des bijoux, euh, des vêtements, des trucs très colorés, très très beaux, puis il y, y a un peu de, de tout. Et t'as ça dans un, dans, dans, un, dans un grand sac, qui est vraiment très très gros, et alors tu le prends et hop, tu le soulèves. Ça va te demander beaucoup d'efforts, mais tu le soulèves et tu le mets sur la scène. Et en fait, le fait de le mettre sur la scène... Ça rend public le truc, c'est Ah bah ben en fait, vous saviez pas, mais euh, j'ai une boutique en ligne et je vends euh, euh, des minéraux, je vends des fringues, je vends ci, je vends ça. Alors évidemment, t'as peut-être pas du tout envie d'ouvrir une boutique en ligne, mais c'est pas la question, hein, c'est un exemple. C'est comme si tu devais montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de toi, et que de le montrer, que de le poser comme ça sur une scène, que de le rendre public, ça va te demander un effort. En même temps, on comprend hein, pourquoi il y a un effort de, de demander, parce que c'est vraiment euh, d'une vie un petit peu, j'ai envie de dire, dans l'ombre, d'une vie discrète. Euh, tu, tu es censé avoir une vie plutôt euh, pas non plus dans la lumière. Hein, tu vas pas devenir Céline Dion, enfin peut-être que tu vas, peut-être, hein, mais en tout cas, te, te mets pas, euh, te stresse pas. Il s'agit juste d'être toi. C'est juste ça, c'est pas quelque chose d'inenvisageable, c'est juste toi. Donc la tour. Allons-y. Partons. Donc là, je vais essayer de te donner des conseils assez euh, pratico-pratiques pour pas que ça te perde et que tu saches où tu mets les pieds. Donc, comment passer d'un 6 de coupe à une impératrice avec, un, avec une tour Ok. Et bah, ben, c'est de remettre euh, à peu près tout en question. tu peux considérer qu'à partir de maintenant, euh, tu pourrais. Avoir une vie différente. Donc là, c'est l'effondrement de l'ego, hein, la maison de Dieu. C'est-à-dire que ton ego, jusqu'à présent, te maintient dans l'ignorance, te maintient dans euh, Oh, bah voilà, j'ai pas une vie qui est si pire, donc je vais garder. Ben non. Ben en fait, non. Là, c'est la prise de conscience massive, massive, que euh, tu n'es pas dans ta vie et qu'il n'y a pas un moment. Enfin, tu n'es pas dans ta vie. Si tu es dans ta vie, mais t'es pas euh, vraiment là où tu pourrais être. Disons, t'es pas du tout à ton potentiel. Donc là, c'est OK. Euh, en fait, je me mets peut-être un petit peu le doigt dans l'œil en me disant, ça sera plus tard, ça sera peut-être un jour. Puis finalement, c'est pas si mal ce que j'ai maintenant. Enfin, non, stop. Arrête de te raconter des histoires. C'est ça, l'effondrement de l'ego. Euh, c'est arrêter de se raconter des cracks. Ici, euh, on vient péter ce qu'il y a dans cette pseudo-conscience de toi-même, qui en fait euh, est euh, un rôle que tu t'es créé, mais alors euh, je ne sais pas d'où il vient ce rôle. Peut-être que tu t'es conditionné à être, euh, je ne sais pas moi, indispensable pour certaines personnes et que tu te dis, bah, c'est ça mon rôle, alors que, alors que peut-être que ce que tu es vraiment, c'est une voyageuse euh, invétérée qui doit faire euh, 20 fois le tour du monde et que tu t'enfermes. Euh, dans une aide à domicile, enfin euh, que peut-être tu es aide à domicile, tu vois, que tu dis, bah moi, les autres, ils comptent sur moi, si je m'en vais, euh, ça va pas le faire, alors que t'as peut-être une âme de voyageuse. Tu, tu vois, c'est ce genre de truc-là que je vois ici. C'est vraiment euh, très éloigné, ce que tu vis maintenant, et ce que tu pourrais vivre. Pas forcément ce que tu es censé vivre, mais ce que tu pourrais vivre. Parce qu'après, tu peux toujours choisir, hein, on n'est pas. Euh... Euh, voilà, mais on a un potentiel qu'on peut exploiter, qu'on peut mettre en lumière et toi, t'es pas euh, consciente, je pense, de ton potentiel, tout simplement. Ou alors, tu en es consciente, parce que moi, je pense que c'est quand même dans ta tête quelque part, mais tu te dis, one day, mais pas maintenant. Et eh ben si, et eh bah ben si, ben si. Donc là, c'est euh, bon. Et eh ben, je reprends les choses depuis le début. Je, je, je crée une nouvelle page blanche. Donc là, c'est vraiment euh, un déclic qui, je pense, viendra peut-être avec cette vidéo. Peut-être c'est cette vidéo qui sera ton premier déclic. Euh, peut-être aussi, tout simplement, que tu vas commencer à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Parce qu'il y a pas mal de personnes euh, que je connais de près, de loin, ou des, des clientes ou des connaissances, peu importe, qui euh, sont dans une vie un peu pourrie, à mon sens. En gros, il n'y a rien qui va, quoi. Elles vont se plaindre de leur boulot, de leur lieu de vie, de leur couple. Enfin, c'est vraiment euh, bazar, bazar, bazar. Mais elles tiennent bon, ces personnes-là. Bon. Ben, là, ça serait de regarder à quel point, en fait, oui, c'est vraiment le bazar. Et que ça va pas forcément s'arranger comme ça euh, du jour au lendemain. Il y a vraiment, en fait, il y a des problèmes. Je pense que c'est ça, le déclic, c'est... De voir que, ben bah, oui, en fait, euh, ça me convient pas. Il va falloir rectifier. Je peux pas encore vivre dix ans de plus comme ça. En me disant que, bon, peut-être sur un malentendu, ça peut marcher dix ans de mieux. Bah non. En fait, non. Voilà. On est là-dessus. C'est une situation qui peut durer, mais qui va devenir de plus en plus souffrante. De plus en plus compliquée pour toi à accepter et à gérer. Donc euh, voilà. Est-ce que... Alors symboliquement, ce que tu peux faire, c'est euh, euh, commencer quelque chose, initier quelque chose en lien avec ce que tu as dans la tête. Peut-être que, bah, justement, euh, ce que tu as dans la tête, c'est d'avoir une boutique en ligne, que tu rêves de faire ça, que tu rêves d'avoir euh, des petits objets que tu vends, que tu... Enfin, que tu revends ou que tu crées. Peu importe mais euh, voilà, euh, lance Initie. ça veut pas dire foutre toute ta vie en l'air pour ce projet-là. Ça veut dire commencer ce projet-là. Parce que là encore, j'ai des clientes qui commencent à, à, à prendre peur quand je leur dis ce genre de choses. Mais non, c'est pas je bazarre tout pour recommencer autre chose. C'est je transfère ma vie, je, je transfère le poids que j'avais du pied gauche au pied droit. Pas pareil. C'est-à-dire qu'on peut créer son entreprise tout en étant par exemple salarié. Ça peut se faire de manière progressive. Pas obligé de tout euh, bazarder, tout te faire exploser comme ça du jour au lendemain, parce que là, c'est beaucoup, beaucoup d'insécurité, c'est compliqué à gérer, ok <coughs> Ça me fait tousser cette affaire. Mais là, ce qui est important, c'est d'initier ce changement. C'est d'accepter qu'en fait, ton potentiel n'est pas du tout exploité. Ou très insuffisamment exploité. Voilà. Ça c'est censé être ton déclic, premier déclic. Donc tu veux, si tu... tu peux si tu veux, pardon. Euh, te procurer euh, un carnet euh, ou euh, d'écrire sur ton ordi ou peu importe pour commencer à mettre en place ton projet, mettre en place les premières actions qui vont te permettre de euh, commencer cette nouvelle vie. Okay Là, vu le bordel, parce qu'il y en a quand même un petit peu, on va pas se mentir, c'est quand même très différent en fait. Tu, tu es censé passer d'une vie euh, relativement classique à une vie beaucoup plus. Euh, avec beaucoup plus de frénésie, dans le bon sens du terme, quelque chose qui te correspond en fait beaucoup mieux à ta personnalité. Donc je pense que euh, une formation ou un accompagnement, ça serait quand même très très profitable. Alors après, je ne sais pas quoi, ça dépend de ce que tu veux. Hein. Euh, un accompagnement dans ce changement-là, donc ça, ça peut être du coaching, euh, voilà, ou ça peut aussi être une formation euh, pour euh, réaliser ce projet. Ou les deux, un truc combiné, je sais pas, hein. après c'est à toi de décider, mais je pense que ça peut être quand même assez, euh, euh, assez utile. Ensuite, donc on a la tempérance, alors on va y arriver. La tempérance qui permet de passer de l'impératrice au 6 d'épée, donc de la créativité, enfin de, de l'émergence vraiment de ta créativité intérieure à euh, je rends public mon truc. Eh bien, euh, c'est de de trouver euh, une posture d'équilibre. En fait, j'ai un petit peu commencé à te parler de ça finalement, je me rends compte, parce que là, c'est justement ce que je te disais, il ne s'agit pas de tout faire bazarder. Là, c'est le déclic. Là, c'est OK. En fait, je vais avoir une nouvelle vie, j'ai envie de cette nouvelle vie, je, je comprends quel est mon projet et je commence à le, à le créer, je commence à le mettre en forme, je commence à l'écrire, je commence à en parler, je commence à, à mettre toutes les chances de mon côté pour que ça arrive, peut-être à me former, à me faire accompagner. Mais là, c'est vraiment une fois que tu as passé cette première phase de mise en action, c'est trouver un équilibre par rapport à ta vie actuelle qui est très différente. Admettons que ça soit, je reprends les mêmes exemples avec la boutique en ligne. Peut-être que euh, ta boutique en ligne elle sera viable que dans un an ou deux ans. Pendant ce temps-là, euh, tu vas pas te tourner les pouces, tu vas pas quitter toute ta vie d'avant pour cette nouvelle vie. Enfin, tu pourrais mais c'est pas forcément ce qui est indiqué ici, OK Par contre, ce qui est indiqué, c'est de trouver justement l'équilibre nécessaire euh, pour jongler tranquillement tendrement entre ces deux vies pour passer progressivement de ça à ça okay de ton ancienne vie à ta nouvelle vie ce serait complètement illusoire euh, même fou hein, employant les mots ça serait de la folie pure de croire qu'on peut passer d'un style de vie à un autre euh, d'un claquement de doigts ou en quelques mois seulement. Non, faut, en général, il faut plusieurs années pour vraiment l'intégrer. Alors après, parfois, euh, on a de la chance, parfois les, les, les circonstances de vie font que euh, tout s'accélère. Mais euh, pour moi, il faut minimum six mois, six mois, neuf mois. C'est pas pour rien que on, on, on dit que 9 mois, c'est le temps euh, d'une gestation, d'un accouchement. Alors oui, c'est le temps qu'un bébé a besoin pour, pour vraiment exister, mais ça fonctionne aussi à l'âge adulte, ça fonctionne aussi quand on a un projet qu'on est en train de faire mûrir. Ce qu'il faut, c'est ne pas s'arrêter en cours de gestation. Ça, c'est un vrai défi. C'est quelque chose que je vois encore beaucoup en coaching. J'accompagne par exemple très très souvent des, des personnes qui ont commencé à initier un projet puis qui ne se sont pas fait suivre, qui ne se sont pas fait accompagner. Et du coup, bah, l'eau a coulé sous les ponts, elles sont plus trop sûres de leur projet, les choses ont changé, les dés ont été un petit peu jetés autrement, elles se sont engagées dans d'autres trucs et tout. Et, et, et vient le moment où, en fait, ce bah, c'est pas parce qu'on a mis des, 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 des graines dans la terre euh, que c'est bon. Non, il faut continuer à les entretenir, il faut continuer à désherber, il faut continuer à faire en sorte que, que voilà, le terrain soit viable sur la durée. Donc, c'est ça, en fait, qui t'est demandé. Donc, là, pour ça, euh, je pense que soit c'est une discipline de vie, parce que là, là en fait, il faut trouver. Donc, euh, là, ça peut être l'objet d'une guidance. Euh, on, peut faire, on peut le faire là-dessus. C'est de trouver qu'est-ce qui te permet de maintenir l'équilibre, qu'est-ce qui va te permettre de faire en sorte que tu puisses passer sereinement de cette vie-là à cette vie-là. Par exemple, pour moi, euh, dans, dans ma vie personnelle, hein, enfin dans ma vie personnelle, dans ma vie, ce qui me permet de faire des changements de, et de m'y tenir, c'est euh, d'avoir euh, un lien euh, quotidien avec mon corps à travers la nature. J'ai besoin de, de sentir mon corps dans la nature. Euh, bon, j'habite à la campagne, donc c'est très facile. Mais d'aller marcher régulièrement, euh, de faire du sport, d'aller dans l'intensité musculaire. J'ai besoin de, de sentir ça parce que sinon, euh, c'est comme si ça me donnait la force mentale pour aller au bout de mes autres objectifs. Et j'ai besoin aussi de manger des trucs que j'aime. Je suis très. Euh, <laughs> c'est très prosaïque. Hein euh, on est dans quelque chose de banal, au possible. Et moi, c'est ça euh, qui fait que j'arrive à tenir les changements dans ma vie. Si je n'ai pas ces, cette base-là, euh, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. J'arrive pas à m'y tenir, en fait, à mes nouvelles résolutions. Et c'est un petit peu ça dont il s'agit ici pour toi, hein. c'est une forme de, de nouvelles résolutions, mais de très grosses résolutions quand même. Hein. Donc là on peut le voir en guidance, tu peux prendre une guidance selon le domaine que ça impacte, c'est peut-être le domaine professionnel, c'est peut-être le domaine, moi je pense qu'on est plus sur le pro ou même de manière générale la vie, tu vois. Donc si tu peux prendre une guidance spirituelle ou une guidance professionnelle, euh, ça va, on, on va venir chercher bah, qu'est-ce qui te permet de maintenir, de garantir cet équilibre, comme ça déjà tu mets en place les bonnes habitudes qui te permettent d'avoir cet équilibre et ensuite tu amorces. Et tu fais en sorte euh, de mettre ton plan en action. Mais il faut d'abord avoir cet équilibre-là. Sinon, c'est peine perdue. Ok Tu pourrais avoir tendance à te dire Bon, bah, allez, moi j'y vais à fond, on y croit, on y va. De euh, toute façon, je sais ce que je veux. Ouais, mais quand on part trop vite, euh, on s'essouffle. Hein. C'est euh, le compte du, du, du lièvre euh, et de la tortue. Hein. C'est vraiment pareil. Hein. Si tu pars trop vite, si tu ne te connais pas assez, si tu n'as pas défini de bonne base, tu te croûtes. Et c'est la tortue qui va te passer devant. Ça, c'est très, très important. Peut-être que tu connais déjà ton fonctionnement, peut-être que tu sais déjà euh, ce qui est nécessaire pour toi. Ça peut être extrêmement varié, ce qui est nécessaire pour toi. Ça peut être d'avoir un temps de discussion tous les mois euh, avec, euh, je ne sais pas, moi, euh, un ami. Euh, ça peut être. Euh, énormément de choses, ça, je ne peux pas tout te définir parce qu'il y a une infinité de possibilités. Mais voilà. En tout cas, ça tu peux noter que tu dois absolument trouver ce qui te permet d'être à l'équilibre. Et peut-être que du coup, de chercher ce qui te met à l'équilibre, ça va aussi te permettre de mettre en plus en évidence encore ce projet qui est dans un coin de ta tête. Ensuite, on a l'ermite, ce qui nous permet, une fois que c'est rendu public, de l'affirmer, de te sentir forte avec ça, euh, ben c'est voilà, notre ami l'ermite. Donc là, c'est le temps. Tout simplement le temps. Alors, donc là, il y, bah, y a rien d'autre à faire que de continuer. D'où, je pense, la nécessité d'avoir cette structure de vie, cet équilibre qui va te permettre, quel que soit le temps demandé, que ce soit un, en, en mois ou peut-être un an, un an et demi, deux ans, euh, tu vas avoir besoin de temps. Moi, je pense qu'il y a un, un lien avec le fait de se faire connaître ou le fait de... Euh, que, que tout se goupille en fait. Parce que là, très franchement, hein, je te le redis, c'est un changement de vie radical. Donc, potentiellement, le boulot change, le lieu de vie change, des personnes de ton entourage changent, c'est global. Euh, donc, d'où le fait que ça ne peut pas se faire en deux secondes. On aimerait bien, mais euh, c'est pas viable de faire les choses en deux secondes. Il faut le temps d'intégrer les choses. Euh, voilà, même si t'es es impatiente, on s'en fout que tu sois impatiente, c'est pas le sujet. Là, il faut sécuriser les choses, faut faire les choses clairement, proprement. Donc voilà, ici on, on a cette ermite qui nous dit euh, euh, je, je prends le temps de construire mon image, euh, j'ai montré qui j'étais, j'ai montré par exemple. Parce que j'ai des bonnes habitudes de vie, des habitudes qui me conviennent et qui permettent d'être stable. Alors je parle de mon projet, alors je commence à le mettre en place, alors il commence à exister. Par exemple, ma boutique en ligne est ouverte, j'ai mes premiers fournisseurs, je vends mes premiers minéraux, je fais mes bracelets en, en pierre, je fais euh, voilà certaines choses. Et je prends le temps de continuer à communiquer là-dessus, euh, je prends le temps d'affirmer, euh, voilà, je, je me renseigne encore. Je, je me forme sur certaines choses que, qui me semblent justes et nécessaires. Euh, je prends le temps peut-être de créer une autre plateforme de vente, peut-être à travers des marchés, à travers des choses en présentiel. Voilà, c'est vraiment, je fais le tour de la question de tout ça. Je prends le temps, je regarde les opportunités, je me base sur, euh, sur ce que je connais aussi et progressivement, je m'affirme vraiment. Voilà. Une fois que l'affirmation est là, on arrive avec le 7 de denier qui nous donne après accès à la reine de coupe. Et là, tu vas pouvoir te dire, youpoupoup, trop bien, parce que la reine de coupe, c'est vraiment euh, ce à quoi tu, tu, tu tends, hein, ce vers quoi tu tends, c'est-à-dire, euh, c'est bon, euh, je suis dans ma vie, je sais prendre soin de moi, je suis ma priorité, tout va très bien. Donc le set de denier, c'est encore une fois une constance euh, dans l'effort, mais alors là, ça va être un effort différent. C'est l'effort de recevoir. Voilà. C'est-à-dire que tu vas comprendre peut-être des choses dans tout ce process. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est que au niveau du, du partage, au niveau de ta générosité, aujourd'hui, tu es, il semble, hein, trop généreuse, trop généreux avec les autres. Tu te sacrifies. Je pense que le mot n'est pas euh, trop fort. Ou disons que les intérêts des autres passent avant les tiens. La plupart du temps, et que là, tu es censé rentrer au moment où tu t'affirmes voilà, où ton, ton entreprise, ta vie, de manière générale, prend de l'ampleur ou tu te sens vraiment vraiment aligné avec qui tu es. Et bien là, tu vas pouvoir commencer à accueillir le retour des choses. Ben bah oui, le retour de tous tes efforts. Ça, des efforts monumentaux là. c'est un énorme trajet de vie. Même si ça va peut-être se faire en moins de deux ans, c'est quand même waouh, wow. faut y aller, hein, faut avoir le courage de faire ça. En même temps, t'as pas trop trop le choix si tu vas juste être déçu, mais bon, euh, ça c'est un autre sujet. Euh, moi, je pourrais pas vivre avec des regrets. Il y en a qui arrivent, je sais pas comment, je sais pas comment c'est possible. Donc là, toi, tu veux pas non plus de regrets, je pense. Ce qui fait que quand tu commences à t'affirmer, il y a un moment où ça se pose, il y a un moment où ça commence à rouler tout seul. C'est ce moment où, par exemple, ta boutique en ligne, bah, elle a suffisamment de notoriété pour euh, bah, que les clients y viennent, euh, de bouche à oreille ou parce que, tout simplement, euh, tu es reconnu, tu as peut-être peut accepté euh, de faire euh, la une euh, d'un journal euh, local ou national ou peu importe. En fait, tu acceptes d'être vu, tu acceptes d'être remarqué pour ce que tu es et donc forcément, tu arrives dans ta vie. Moi j'ai l'impression, ça me fait penser dans. Euh, que, que tu vis selon un profil qui n'est pas le tien. Ça me fait penser au Human Design, en fait. Euh, je sais pas si tu connais cet outil, enfin bref, peu importe. Mais ça me fait penser à ce truc-là parce que souvent euh, je le vois sur certaines de mes clientes qui ont un énorme potentiel mais qui ont peur de déranger et je leur dis mais euh, t'attends quoi en fait parce que t'es tellement faite pour avoir des responsabilités pour oser, pour, pour créer pour initier et en fait ce qui est assez dingue c'est que en général elles ont l'opportunité de le faire mais elles disent ouais non plus tard pareil que toi, elles, elles font plus tard et en fait non c'est pas plus tard c'est maintenant parce que c'est ça la vie que t'es censée mener ok, alors on va rajouter des cartes pour finaliser tout ça qu'est-ce qu'il faut pour passer de la tour à la tempérance le roi d'épée et eh ben oui c'est la clarté hein. encore une fois c'est un peu le point commun avec le choix numéro un à ce niveau là quand on débute un projet pour être sûr d'aller jusqu'au bout pour pas se laisser euh, court-circuiter par soi-même plus tard faut être très 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 au clair avec ce qui se passe avec ce qu'on veut et avec surtout les éléments qui sont favorables qui nous permettent en fait de garder notre équilibre, parce que les turbulences dans la vie, il y en a. Il y en a. Et Dieu sait que si tu veux ouvrir une entreprise, une boutique en ligne ou ce genre de truc, les turbulences, tu vas en avoir et c'est hyper normal. Donc là, on nous dit qu'une fois que tu as eu ce déclic, faut que tu sois très au clair avec le fait que tu vas t'engager vraiment pour ta vie et que tu trouves ce qui te permet d'être stable, d'être solide. Une fois la solidité acquise, tu inities tout un tas d'actions jusqu'à avoir la sensation euh, d'être vraiment, euh, d'avoir vraiment vraiment trouvé ta place, d'être vraiment, euh, voilà, comme te sentir un peu comme un vieux, une vieille euh, qui connaît euh, vraiment bien son sujet, qui est vraiment expert. Donc ça, ça passe par l'expérience. Hein. C'est, euh, je crée ma boutique en ligne, admettons. Je commence, j'ai mes premiers clients, après j'ai mon dixième client, j'ai mon centième client, puis au bout du millième client, c'est ah c'est bon, je me sens dans mon ermite maintenant, ok Et enfin on a le fou qui permet de recevoir euh, bah finalement la, le, le côté euh, public hein, de, de ton de ton changement de vie, c'est-à-dire tu vas enfin être reconnu pour ce que tu es après tous ces efforts. Et là, à ce moment-là, quand il y a le fou, quand il y a le mat. La première ligne, elle disparaît. C'est-à-dire que ton ancienne vie, elle disparaît au profit de la nouvelle vie que t'as mise en place. On a le 8 de coupe. Tu laisses de côté tes échecs. Et tu affirmes la transformation avec la mort. Donc pour moi, c'est un énorme changement de vie que tu peux initier. Et franchement, il n'y a que toi qui peux le faire de toute façon. Ouais, évidemment, je peux t'aider en coaching. C'est mon boulot hein, de, de rendre les rêves concrets. De, de, les, de les sortir aussi de l'inconscient de parce que parfois on sait même plus trop de quoi on rêve mais voilà. voilà tu sors du conflit avec toi même et tu deviens solide bon ben bah, écoute c'était un très beau tirage j'espère que ça t'a plu euh, donc comme je te disais là où moi je pense que je peux vraiment t'aider c'est là-dessus avec la tempérance pour faire en sorte de trouver ce qui te consolide ce qui te solidifie quelles sont les bonnes habitudes à avoir dans ta vie pour te permettre ces changements là le déclic c'est ton affaire ça c'est ton affaire parce que c'est l'expérience et là où je peux t'aider aussi c'est sur la mise en action donc sur l'étape intermédiaire entre les deux ici c'est à dire une fois que tu sais qu'est-ce qui te permet de, de, de garder tes bonnes habitudes et d'amorcer des nouveaux projets moi je peux t'aider à à initier à avoir vraiment euh, ça c'est du coaching hein, tout simplement euh, c'est ok une action après l'autre on y va et on sécurise, euh, on sécurise le chemin, on sécurise la trajectoire. Voilà! Euh, si tu veux du coaching, ça se passe en appel découverte. Si tu veux la guidance, euh, tu peux prendre une guidance professionnelle ou spirituelle, peu importe. Euh, tu me mets bien, par contre, dans la question euh, ce que tu recherches pour que je ne euh, voilà, sois pas perdue et que je sache bien que c'est ça que tu veux. Et, euh, et puis voilà, ça c'est sur la boutique en ligne, sur le site. Tu le trouves. Euh, Tiens, une autre boutique en ligne <laughs> c'est sur le site tu le trouves très facilement voilà bon bah, je te laisse là dessus n'hésite pas à laisser un commentaire à liker la vidéo tout est quanti tu sais comment ça marche pour booster un petit peu l'algorithme youtube c'est sympa de ta part de, de m'aider là dessus et on se retrouve très bientôt allez ciao ciao allez c'est parti pour le dernier choix avec Klimt de alors qu'est-ce que c'est que ce projet on va commencer par ça 5 de denier d'accord As de bâton As de bâton on a que 3 cartes on n'a que 3 cartes pour en avoir un quatrième bah ben non on me dit non, 6 si de coupe d'accord alors, très bien. Alors, les autres, il y en avait tellement plus. Enfin, euh, je crois que le premier choix, il y avait au moins 4 cartes, 5 cartes pour le deuxième. Alors, ici, on est sur un projet... Euh, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un projet de maternité, tout simplement. Tout simplement. Euh, ça peut être aussi... Euh, c'est bizarre, je vois que ça. En plus, il y avait le 6 de coups qui est sorti tout à l'heure, mais je l'ai remis dans le jeu. Le 5 de deniers nous parle de quelque chose qui est manquant. Euh, physiquement. Visi de manière visible, en fait. Donc, soit c'est... Enfin, euh, voilà, après, c'était à voir. J'ai interprété les, les cartes les unes après les autres, puis je donnerai des hypothèses de projet. Donc, ensuite, on a l'as d'épée qui est de finalement prendre une décision par rapport à ce manque qui existe. C'est-à-dire c'est oui ou non, hein, ça, ça tranche. Hein. De toute façon avec l'ASDP, il n'y a pas d'entre deux. C'est oui, je vais combler ce manque ou non, je ne le comble pas. Et avec le 4 de bâton, c'est euh, de venir, euh, bon, en fait, décider de combler le manque. Il hein. n'y a pas vraiment d'autre solution. Parce que le 4 de bâton, c'est euh, c'est bon, euh, j'ai ce que je veux et je suis comblée donc c'est pour ça que ça me fait penser à un, un projet euh, donc ça va être soit physique au sens par exemple d'une femme qui désire un enfant ou d'un couple qui désire un enfant mais là il y, y a une confusion euh, c'est pour ça que le, le projet en fait n'est pas clair c'est il n'y a pas eu de décision ferme et définitive par exemple le, le moment où un couple dit bon bah voilà, est-ce que on aura peut-être des enfants un jour Bah, ça reste dans cette énergie-là, c'est un jour. Là, on voit que faut décider. Alors pourquoi faut décider Je ne sais pas. Il y a peut-être une notion de temps qui passe. Il y a peut-être une notion d'organisation. Peut-être, je sais pas, vous vivez dans un tout petit appartement, il n'y a qu'une chambre. Bon bah, si vous voulez un enfant, euh, faut agrandir, donc faut penser à déménager. C'est des choses qui se font en général avant euh, l'arrivée d'un enfant. Euh, donc ça, c'est des choses à prévoir. On sent qu'il faut se positionner là-dessus. Euh, par exemple, ça peut être juste un déménagement. Hein. C'est bon, je manque un peu d'espace là où je suis. Est-ce que je décide ou pas Et à chaque fois, hein, étant donné qu'on a quand même le 4 de bâton en face, c'est oui. Ça va être oui, je décide de combler ce manque, oui je décide de passer à autre chose pour obtenir cette stabilité, cette sécurité, cet épanouissement dont j'ai besoin, voilà, donc ça peut être un déménagement, un manque du coup matériel, un manque financier ou un manque physique euh, qui peut être euh, relationnel, hein. ça peut être quelqu'un qui vous manque dans votre vie euh, parce que peut-être vous êtes célibataire et vous dites bah j'aimerais bien être avec quelqu'un donc... Euh, ben oui, je décide de me mettre avec quelqu'un, donc après, ben, ça va être toutes les actions nécessaires pour trouver cette personne dans les meilleures conditions possibles, de la meilleure façon possible. Euh, voilà, ou ça peut être un enfant. Il y a beaucoup, beaucoup, quand même, l'énergie d'un enfant, moi, je trouve. Et je ne sais pas pourquoi, euh, vous le savez certainement mieux que moi, qu'est-ce qui fait que on a l'as d'épée au milieu Parce que l'as d'épée, comme je vous disais, il vient vraiment trancher, il nous demande une réponse, il nous oblige à répondre. Oui ou non. Et c'est comme si euh, fallait se positionner. Alors, ce qu'on pourrait comprendre avec un enfant, c'est euh, euh, par exemple, bah, si vous voulez un enfant et que vous avez euh, la quarantaine ou quelque chose comme ça, bah, faut vite vous décider parce que il y a l'horloge biologique. Bon, ça peut être ça. Si euh, c'est le déménagement, c'est peut-être que vous hésitez entre deux endroits où vous vous dites, ben, est-ce que vraiment j'ai besoin de déménager Et peut-être qu'on vous dit d'accélérer parce qu'il y a peut-être le bien qui vous correspond, qui va peut-être vous passer sous le nez si euh, vous tardez trop à répondre. Et vous ne savez peut-être pas encore que le bien de vos rêves va vous passer sous le nez, vous voyez Donc là, il y a un facteur temps ici qui me déplaît un petit peu parce que ça met à quelque part euh, la pression. Alors c'est pas euh, forcément... Euh, euh, là, maintenant, le couteau sous la gorge ou l'épée de Damoclès, hein, euh, euh, ça peut aller jusqu'à 3-4 ans. Au-delà de 4 ans, non. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il faut vous décider maintenant. Vous voyez ce que je veux dire Comme si c'était euh, pour combler ce manque euh, rien que déjà au niveau émotionnel. Par exemple, euh, admettons que... Euh, vous voulez un enfant, mais que votre partenaire de vie n'en souhaite pas. Est-ce que vous allez prendre le risque de rester avec cette personne ça, ça se pose aussi comme ça. C'est, euh, bah, admettons, vous avez, je ne sais pas, 25 ans, 30 ans, vers là. Vous dites, bah, moi, j'aimerais vraiment avoir un enfant un jour. Je n'ai pas décidé quand, mais ça fait vraiment partie de mes projets. Ça fait partie de de, de ce que j'ai toujours eu envie. Ça fait partie de moi. C'est quelque chose que je souhaite. Bon. Ok. Si vous êtes avec quelqu'un pour qui c'est un nom de manière formelle et définitive, ou quasiment formelle et définitive, est-ce que vous allez prendre le temps de créer une relation avec cette personne Est-ce que vraiment c'est ajusté On pourrait se poser la question, je ne vous dis pas de quitter l'autre, hein, mais euh, il s'agirait plutôt que l'autre comprenne à quel point c'est important pour vous et à quel point vous, vous ne pouvez pas renoncer à ce projet. Vous voyez de la même manière, si vous voulez, euh, on voit que c'est lié à la stabilité et lié à ce que vous avez concrètement. Donc, euh, peut-être que vous voulez vivre à la campagne et que, actuellement, vous habitez en ville. Néanmoins, peut-être que votre métier, votre job est en ville et que la campagne est peut-être très loin. Admettons que vous habitez sur Paris. Euh, bon, bah, la campagne est relativement éloignée de, de Paris. Donc, pour l'instant, euh, les transports tout ça, ça vous dit pas trop. Donc si vous bougez en campagne, peut-être que vous bougez aussi au niveau du travail. Donc ça c'est à considérer. Et en fait, à chaque fois, c'est de répondre oui au manque, hein, je vous le rappelle. C'est-à-dire que votre manque doit être comblé. C'est ce qui a l'air de vous correspondre. C'est pour ça que ce projet a envie d'exister. Et c'est pour ça que la décision est censée être prise maintenant ou euh, dans les quelques jours qui vont suivre euh, l'écoute de cette vidéo. Parce que euh, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, en une fraction de seconde. Ça a besoin de temps pour exister. Vous voyez où je veux en venir. Alors, on va détailler maintenant les étapes, même si ça me semble quand même relativement clair, cette histoire. Euh, qui doit vous aider à valider le projet dont je vous parle? Peut-être que vous vous sentez déjà concerné par un des exemples que je vous ai donné. Peut-être que c'est autre chose. En tout cas, c'est le manque. Il y a un manque matériel, physique, financier. Il y a quelque chose qui vous saoule. Et vous savez qu'il y a une décision à prendre et vous repoussez cette décision potentiellement encore. Et, et voilà. Ça peut être aussi euh, je veux euh, créer mon entreprise. Euh, mais je ne sais pas, parce qu'en fait, ça manque de ne pas être euh, autant indépendante que ce que j'aimerais. Ben, vous pouvez prendre la décision de créer votre entreprise. Vous pouvez demander un numéro de Siret. Vous pouvez commencer à créer votre activité sans pour autant lâcher votre salariat. Voyez euh, Pour moi, il y a un temps relativement important. Mais c'est une décision interne. Elle va peut-être d'ailleurs que vous concernez vous. Euh, peut-être que ça ne concerne personne d'autre, sauf dans le cas d'un enfant, d'une famille. Bon, voilà, là c'est un peu différent, mais peut-être que c'est vous qui, avez, qui allez juste prendre une décision vis-à-vis -vis de vous-même. Vous allez vous dire Ok, d'ici 4 ans max, j'ai déménagé. Je commence à faire les plans, je commence à m'enseigner, je fais tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Avec une décision, encore une fois, ferme et définitive de combler ce manque. Voilà. On a quoi On a le 10 de coupe. Voilà. Vous savez. Que euh, de dire oui vous apporte du bonheur. De dire oui je comble ce manque. C'est la clé du bonheur pour vous. Donc c'est ça qui doit être comme une forme de euh, de délivrance hein, euh, pour cesser de vous questionner, cesser de de remettre en question encore et encore euh, cette décision. Oui, elle vous convient, oui, elle est faite pour vous. Et oui, vous pouvez la prendre dès maintenant parce qu'en fait, sa mise en action va nécessiter, je pense, quelques années. Euh, ça ne veut pas dire que vous allez rien glander pendant quelques années, ça veut dire que ça va mettre quelques années à tout se dérouler. Par exemple, vous avez peut-être l'envie de déménager à la campagne, vous allez faire vos recherches, vous allez vous rendre compte que vous avez un préavis pour votre job actuel, vous allez vous rendre compte que... Euh, vous avez besoin d'avoir au moins un an ou deux en CDI pour avoir un prêt bancaire. Donc, le temps que vous changiez de boulot, que vous changez de région, vous allez peut-être prendre une location, vous allez attendre un ou deux ans. Après, vous aurez, pourrez prendre un crédit. Et là, vous pourrez acheter. Et donc, vous voyez, le temps, c'est cool. Voilà. Mais vous avez amorcé et vous êtes dedans. Vous êtes en train de vivre déjà votre projet. C'est ça le but. Ça, vous devez le comprendre. Donc là, qu'est-ce qu'on a on a quoi On a le roi de coupe. Très bien. Aucun doute, il hein. n'y a aucun doute que euh, c'est euh, un impact émotionnel énorme cette histoire. C'est-à-dire que c'est un manque physique, c'est un enfant qui n'est pas là, c'est une maison qui n'est pas là, c'est un, 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 un lieu de vie de manière générale qui n'est pas là, c'est un job qui n'est pas là. Mais c'est une émotion de bonheur qui n'est pas là. Dans le fond, c'est ça. C'est-à-dire que physiquement c'est absent de votre vie, mais intérieurement, ça se vérifie plus plus plus. C'est vraiment la clé de votre bonheur. Et peut-être que vous n'avez pas acté à quel point c'était important pour vous. Néanmoins, ça l'est. Ça l'est vraiment. C'est... On a le deux denier ici qui... Qui, qui fait écho à cette confusion, puis en plus c'est vraiment, c'est étonnant, il y a vraiment vraiment un sujet de maternité qui est très très fort ici. Alors ça peut être la maternité dans le sens de vraiment devenir mère, devenir père, l'adopter, ce genre de choses là, ou ça peut être aussi euh, pour les personnes qui ont déjà des enfants ou qui s'occupent d'enfants, d'avoir du temps pour eux, Admettons que vous êtes parent et que vous n'avez jamais la possibilité de, de prendre une journée off comme ça de manière impromptue pour voir vos enfants et que vous avez l'impression qu'en fait ils grandissent sans vous. Vous les voyez le soir, vous les voyez le matin, mais c'est en deux secondes, après c'est la nounou qui prend le relais. Peut-être que c'est ça la décision que vous devez prendre. Et peut-être que ce sera juste dans 3-4 ans que tous les efforts que vous aurez fournis en amont vous permettront de passer du temps avec votre famille et que ça sera ça votre bonheur. Ce sera d'avoir créé une vie qui vous permet de profiter de cette famille. Et c'est très 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 beau. Hein. Euh, le 2 de Denis, c'est <laughs> le comble de l'indécision. C'est... Euh, oui, mais je ne sais pas si vraiment ça me manque ou si ça me manque pas. Je pense que vous pourriez avoir un doute, peut-être peut parce que vous n'arrivez même pas à vous autoriser d'avoir ce projet. Ou alors vous vous dites, mais c'est pas bien grave. Si j'ai pas d'enfant, si j'ai pas cette maison à la campagne, si j'ai pas euh, ce job là, je ferai autrement, c'est pas grave, je trouverai autre chose qui me plaira au moins tout autant. En fait, là non. Non, c'est pas vrai, ce serait de vous mentir à vous-même. Acceptez ce manque, plus vous l'acceptez tôt, plus vous allez pouvoir prendre la décision de faire autrement et de créer une vie qui correspond à la réparation de ce manque, tout simplement. Donc là, sur ce 2 de denier, ce que j'aime beaucoup, et je ne l'ai pas pris par hasard ce tarot, vous savez comment ça fonctionne la vie, il y a cette illustration qui me parle énormément parce que euh, c'est une de mes illustrations de Klimt préférées. Euh, c'est en plus euh, une toile, une reproduction que j'ai eue en cadeau et... Et voilà enfin, qui, qui, était, euh, qui était dans la maison de, de mes parents, sous euh, ma mère est rousse et moi je suis brune donc euh, voilà il y a, y a un lien, moi c'est une œuvre qui me parle énormément. Et comme c'est moi qui tire les cartes, ça passe par mes filtres, ça passe par mes perceptions. Et moi c'est toujours une, une image qui m'a parlé, euh, de, de l'enfant, de la vie, du début de la vie. Parce que dans la truc complète hein, dans, dans la peinture complète de Klimt, il y a la vieille, il y a une vieille femme ici. Ça représente en fait les trois stades de la vie d'une femme. Euh, voilà. Et, et là, il s'agirait de ne pas finir aigri, voyez <laughs> Il s'agirait de ne pas incarner la femme qu'on ne voit pas, hein, mais qui ressemble un petit peu à celle-là, en encore plus vieille et encore plus rachitique. Voilà. Faut aller dans cette beauté là euh, qui c'est superbe j'adore Clip. je suis une grande grande fan, j'adore ses œuvres. Mais voilà, moi ça me parle de l'enfant. Là on a quand même les deux enfants avec euh, on pourrait penser leur mère, enfin quelqu'un qui s'occupe d'eux, qui leur donne à manger. Voilà, il y a vraiment cette notion de famille, de fédérer, de d'union. Euh, et vous pourriez peut-être penser que vous pouvez vous en passer, que votre bonheur peut être autrement. Euh, que c'est pas essentiel, que c'est pas existentiel. En fait, si ça l'est. Voilà. Voilà. Donc, c'est... Hum, je vais essayer de vous donner quelques conseils, mais je ne pense pas pouvoir vous en donner beaucoup plus. Avec ce 10 de coupe notamment. Le 10 de coupe, ça va être de prendre conscience que votre bonheur dépend. De la réparation de ce manque. Et le roi de coupe, ça va être la mise en action de tout ce qu'il faut pour obtenir ce truc-là. Donc là, ça va être bah, selon votre projet, hein. soit c'est un projet professionnel, dans ce cas-là, peut-être faites-vous accompagner au niveau pro. Alors bien sûr, je peux vous accompagner en coaching. Euh, c'est des choses qui vont se faire sur la durée, qui vont se faire en plusieurs temps, qui vont se faire. Peut-être que vous avez besoin de vous reconvertir, de vous former, ça peut être ça. Dans ces cas-là, vraiment, euh, commencez à contacter les écoles, commencez à à vous renseigner sur les formations qui existent. Il s'agit là d'être pragmatique, hein, de prendre sa petite liste et d'écrire tout ce qu'il faut pour que ça, ça arrive. En fait, de dire oui à ce manque, c'est même pas la question. Il faut, faut tout de suite acter que c'est oui. Il faut répondre à ce manque absolument et mettre en place ce qu'il faut. Donc, par exemple, euh, si la route tourne, si vous avez proche de la quarantaine... Euh, ben bah, ok, c'est quoi mes options C'est euh, je vais prendre rendez-vous chez le gynéco, chez sage-femme, je fais les examens qu'il faut, je parle de mon projet de, 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 de bébé, de naissance, j'en parle avec mon compagnon évidemment, euh, on, on prend des, des temps pour ça, euh, si j'ai un problème de, de fertilité... On se renseigne pour les adoptions, pour la PMA, pour blablabla. Il s'agit d'être très pragmatique parce que c'est ultra important et je pense que ça va faire partie de votre chemin de vie, de votre accomplissement personnel, de remplir ce manque-là. Voilà. Pour moi, ça passe par la création d'une famille, d'un foyer, d'une maison où on se sent bien, de quelque chose de... Un vrai cocon. C'est un cocon dont on parle ici. Ok voilà. Euh, du coup, le tirage, c'est beaucoup plus court que pour les autres. Euh, donc là où je peux vous accompagner, comme je disais, ça va être sur euh, l'aspect technique mis en place, euh, confiance en vous peut-être dans le processus. Donc ça va être uniquement du coaching. Voilà. C'est uniquement du coaching. Euh, si vous voulez que je vous accompagne. C'est un appel découverte que je vous offre dans lequel on, voilà, on prend le temps de discuter, hein, c'est par zoom, on prend le temps de discuter pendant une demi-heure ou un peu plus. Et à la suite de ça, moi je crée euh, un programme pour vous sur mesure en fonction de vos attentes, de vos besoins, puis vous me dites ce que vous en pensez. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, euh, à partager, à vous abonner, euh, tous ces trucs comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao